Bonsoir. Désolé de cette interruption, mais encore des ennuis. Bishop, tu es là? Je suis là. Tu sais ce qu'il faut faire. Oh, on a une faille. On voit déjà une passerelle. Tu sais, Deacon, je crois qu'Abstergo n'a toujours pas digéré ce que tu leur as fait le mois dernier. Tu le penses vraiment? Alors, c'est le moment de vous montrer les failles. Vas-y. Il est difficile de fouiner dans les données puissantes que l'Abstergo sans laisser à peu. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne en stream. On a fait que fouiner. On a volé leurs données, détruit leurs échantillons de précurseurs et fait fondre quelques serveurs. Eh, pas mal. Non, en train de se faire pirater en quelque sorte. C'est de se faire opérer par Abstergo. Donc, une faille a été ouverte pour que je puisse sortir du programme et me retrouver dans une autre époque. Vous allez voir, c'est pas mal ce truc. C'est une espèce de puzzle jump. On se retrouve de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors une fois qu'on est dans la faille, c'est pas compliqué. Faut trouver une sortie, donc voilà, pour retrouver. Un chaos de code endommagé. Voilà, comme elle dit, c'est un code endommagé. Alors on se retrouve dans une autre époque, à Paris bien sûr. Mais c'est des époques un peu bizarres, vous allez voir, c'est un peu mélangé. Donc là, on est à l'époque de la guerre. Si... Alors déjà, il y a la tour Eiffel. Ouh. Trouver la sortie des égouts. Ok. Rejoindre la tour Eiffel. Voilà, allez. On va rejoindre la tour Eiffel sans se faire voir. Ne traîne pas en route, les mémoires incomplètes sont bien trop dangereuses. Tu vas trouver une issue. Je vais faire de mon mieux pour te guider. Ensuite, comment on passe là? Ok, il faut escalader la tour Eiffel. Ok, quand on se fait repérer, on se fait tirer dessus. Donc faut éviter les lumières à tout prix. Oh la vache! Ah, ok. Wow. Ok. Sympa comme mise en scène. Rejoindre le premier étage, c'est fait. Grimper au sommet de la tour Eiffel. Allez, c'est parti. Je sais pas par où on va passer, mais. On va passer, ça doit être par là. Ok, les ascenseurs n'ont pas l'air de beaucoup tenir, donc on va se dépêcher. Ou alors ils vont monter. Ok.
Ok, là c'est électrique. Ok, ça c'est bon, ça abritait. Bon, on l'a eu. J'ai oublié de changer ça. Hop. Alors on doit continuer à grimper. Voilà. La faille est tout en haut. Donc c'est par là qu'on va devoir sortir. Alors c'est des missions que j'ai... Enfin, c'est à rejouer, hein. C'est génial comme... comme truc, donc... hop. Alors, en plus de ça, il y a la foudre qui tombe. Fais gaffe. Hop. Pas mal. Encore. Allez hop. Moins un. Allez, c'est bon. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Je ne cherche pas à t'alarmer, mais ce portail est très instable. Alors vite. Oh non! Il a disparu. Poursuis ta route, on va le rouvrir. Ok. Tu vas devoir sauter. Go! Voilà. Ah, c'est terrible.
Donc voilà, ça c'était une petite faille que je voulais vous montrer dans Assassin's Creed. Faille pour une autre époque avec un code endommagé. Donc voilà, c'est pas mal. Voilà. Voilà pour la faille, les amis. On se retrouve tout de suite.